Vous êtes marié ? Ah non, mieux que ça. Je suis amoureux. Et elle fait quoi ? Elle est maçon. Elle est pianiste. Le film est né dans un avion avec Jean Dujardin et moi. On voyageait à Paris-Los Angeles. On s'est mis à parler de Claude Lelouch, à délirer sur Claude Lelouch. On a commencé à élaborer une histoire en se disant, tiens, une parenthèse amoureuse dans un pays, deux acteurs, enfin ce que faisait Claude Lelouch dans les années 70. Est-ce que ça pourrait lui plaire ? Ça m'a triplement excité dans la mesure où j'avais envie de tourner avec l'un et avec l'autre et je ne les voyais pas ensemble. Et c'est vrai que d'un seul coup, le couple était tellement insolite, tellement improbable, que j'ai trouvé l'idée géniale. What is your profession? Musician. Genius of music. Et puis il est revenu avec l'idée de l'Inde. Et puis il s'est dit, voilà, un compositeur de musique, une femme d'ambassadeur, l'Inde. Et puis on a commencé à partir sur des personnages, sur des situations, sur des thèmes. Puisque le film de Claude, c'est toujours des prétextes pour parler des hommes, des femmes, de tout. Et vous tombez souvent amoureux ? Honnêtement ? Mm-hmm. Tout le temps. Dès le premier regard, elle est amoureuse de lui. Et lui se dit, comment je vais m'en débarrasser ? Au départ, tout est négatif. Et pourquoi, quand tout est négatif, on y va quand même ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Je suis en train d'embrasser la main de ma femme. Ah ! C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont très amoureux déjà, quand ils se rencontrent. Elle, elle est folle amoureuse de son ambassadeur et lui, il est fou amoureux de sa pianiste. Je crois pas que l'ambassadeur soit un mec méfiant, donc il est heureux d'accueillir Antoine Abélard. Il sent qu'il y a un truc qui a accroché entre sa femme et Antoine, sans réellement s'en inquiéter. Est-ce que tu veux m'épouser ? Mon personnage, Alice, est une femme qui est définie par sa passion. Puis c'est une fille assez courageuse, elle veut quelque chose, elle y va. Elle réfléchit après, peut-être qu'il aurait fallu réfléchir avant. Christophe et Alice sont importants parce qu'elle est très belle, elle est jeune, elle est intelligente, elle a tout ce qu'un homme souhaite. Et lui, il symbolise l'homme idéal, Christophe. Seulement voilà, on n'est jamais satisfait. On pense qu'il y a toujours mieux. Swagatam. Swagatam, bienvenue en Inde. Namasté, Raoul. Namasté. Tiens le volant, t'inquiète. Ici, on ne conduit pas, on évite des accidents en Inde. J'ai découvert l'Inde il y a 2 ans, quand j'ai commencé à penser à ce film. Et je suis tombé amoureux de ce pays. Et on ne tombe pas amoureux de l'Inde tout de suite. Hein. En arrivant, j'ai eu un choc visuel et olfactif très fort. C'est vraiment le chaos quand on arrive dans ces villes. Et puis, l'avantage du tournage, c'est qu'on dépasse les 15 jours de touristes. On y reste cette semaine, on voit leur sourire. On apprend un peu plus. Et ça devient autre chose. Mon rapport à l'Inde a été incroyable. Pour moi, ça m'a changé ma vie. C'est-à-dire que je me sens pas la même depuis que je suis allée en Inde. Je crois qu'on a été tous chamboulés, Jean aussi. On rentre pas les mêmes, quoi. Le taux de bactéries poliformes avoisine les 1,5 million par centimètre d'eau, putain. Stop ! Je sais, j'ai lu tout ça. En revanche, on peut la boire. Ah bon ? Elle est potable. Non. Bah, non, Anna. Non, mais je sais pas, vous dites ça. Moi, je vous écoute, je crois tout ce que vous dites. Le cliché qu'on accepte quand on va au cinéma, c'est-à-dire je veux des paysages, je veux de l'amour, de l'humour. Je veux voir des gens qui sourient, je veux qu'on m'évade, j'ai 2 heures, embarque-moi, c'est tout ce que je te demande. Fais ça bien. Je pense que ça, une fois qu'on est dans la salle, c'est gagné. J'ai l'impression qu'il va donner des ailes aux gens. C'est même pas au-delà du voyage en Inde, hein. Oui, les gens ils vont voyager, mais de dire, il faut aimer, il faut s'aimer, il faut aller vivre des aventures. Ce film ressemble à tous mes autres films et est très différent des autres films. Très très différent parce que les miracles ont eu lieu tous les jours. Quand je dis les miracles, c'est-à-dire que les acteurs sont allés plus loin que ce que je leur proposais, le scénario est allé beaucoup plus loin, la vie a toujours été plus forte que mon imagination. Vous ne trouvez pas qu'on en fait un peu trop, là ? Pardon, mais j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi, à humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Que vous êtes si malin, qu'est-ce qu'on fait alors ?